Bonjour et bienvenue en Champagne. Nous sommes dans cette fameuse région connue à travers le globe qui pétille tout ça pour découvrir la nouvelle Jeep Avenger. Alors Jeep, d'habitude, on connaît plutôt les Wranglers, les gros 4x4 qui franchissent des montagnes. D'ailleurs, quand ils sont arrivés dans les plages de Normandie, c'est la Jeep Willys qui a initié toute cette gamme de véhicules tout-terrain hors normes. Et aujourd'hui, on est devant la version pick-up du Wrangler, mais on n'est pas là pour ça. On est là aujourd'hui pour une révolution, c'est Jeep, la fameuse Avenger. L'Avenger, qu'est-ce que c'est? C'est la première voiture 100% électrique du constructeur américain. Et devinez quoi? Comme ça appartient à Stellantis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout shippé à Peugeot. C'est aussi simple que ça. Au niveau technique, vous avez une base, la plateforme de la 2008 électrique. Et vous en avez le nouveau moteur qui fait 156 chevaux, la nouvelle batterie avec la nouvelle chimie de 54 kW brut. Et tout ça nous permet de profiter de cette première véritable Jeep européenne 100% électrique. Alors cette mini Jeep électrique, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc elle n'émet aucun effet gaz à effet de serre, certes. Mais c'est surtout la plus compacte, la plus petite. On est sur à peine plus de 4 mètres. C'est la Citadine de Jeep. C'est une vraie nouveauté. Et en plus, mine de rien, l'intérieur est plutôt assez joli. C'est bien dessiné. On retrouve l'infodivertissement que l'on a chez Peugeot, évidemment, puisque la plateforme technique, c'est donc de l'ex-PSA, Stellantis. Et ce qui est super intéressant, mine de rien, c'est que c'est plutôt très joli. Belle finition, bien que quelques plastiques sont un peu durs, mais sinon tous ceux qui sont à portée de main sont plutôt de bonne qualité. L'infodivertissement est donc de bonne qualité aussi. Donc grosso modo, tout va bien. Et quoi dire d'autre sur un véhicule comme ça? Qu'on est sur un véhicule vraiment européen. Vraiment, vraiment européen. Voilà, cette Jeep Avenger, donc, c'est le premier SUV électrique de la marque américaine. Et c'est plutôt très intéressant, à tel point qu'il y a trop de choses à dire. Il vaut mieux nous lire sur la revue automobile pour avoir les sensations de conduite. Vous aurez également le prix. Mais après, ici en vidéo, vous pouvez profiter du look de cette mini Jeep 100% électrique, qui est vraiment l'axe qui va peut-être nous faire craquer. Bon. Lisez-nous sur la revue automobile et nous on se dit à bientôt.